nous pas capable de dire que l'a bien fait, mais nous capable de dire que l'a pas avancé parce que nous là nous est et pour ce verbal a venir déjà aujourd'hui à la gain 10 départements qui gain commencé entrer dans ce plan là. Nous pas veut dire que gain un département au complet qui arrive, mais au moins gagner des PV qui sorti dans 10 départements géographiques là. Et selon la direction centre, et par rapport à la quantité de recevoir, il a déjà traité environ 50%. Donc il a continué avec le travail là, et puis il est capable de respecter les délais que le décret électoral là, il prévoit et dans le calendrier pour capable de bailler les résultats. Il y a un PV qui sort dans tous 10 départements qui sont déjà arrivé là. Et le traitement qu'il a fait, il y a environ 2,50%. C'est-à-dire que le processus là, on a déjà avancé. Il a tout scanné au brut. Et puis, c'est-à-dire pour qu'il soit capable d'aller plus vite toujours. Mais il faut attirer l'attention, nous-mêmes qui là. Moi, je suis dans le centre de tabulation où j'ai des observateurs, où j'ai des étrangers, où j'ai des haïtiens. Où j'ai tout, la presse qui est toujours présente. Mais nous pas remarqué même intérêt à bon côté. Les partis politiques, yo. Non pas les représentants, yo pas présents en dehors de ce temps. Donc nous t'a encouragé yo. Et puis être présent dans ce temps parce que nous pensons que il faut que là tout, faut que vigilant, faut voir comment bah travail la fête. Et parce que c'est pas après et les cabrils fin passé puis après les fermer barrières. Documents yo vini, techniciens yo a saisi. Tabulation a fait travail. Ça pour nettoyer, ça pour voir dans contrôle visuel, yo voyez ça pour voir dans contentieux, yo voyez dans contentieux. C'est ça que nous sommes capables de faire. Mais pour un centre de tabulation, il y a une importance comme ça. Il y a une directive, il y a un manuel qui régit. Si vous n'avez pas un manuel, là, sur qui base, il y a pas de temps à l'heure où utiliser telle méthode de calcul. Donc ça va créer des doutes. Ni bon côté nous, comme nous avons observé, ni bon côté tout des partis politiques qui sont même concernés. Donc cela dit, ce n'est pas la date n'a pas de ou li, yo pa jam ba nou, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas sur qui base travail ça ou yo a fait là. C'est plus facile pour nous de répondre nous, si nous avons un document nan men nou, pour nous dire mais ça document dit, mais ça document dit par rapport avec tel cas, mais ça document dit mais qui j'en pu contrôler et faire contrôle pour capable publier les résultats. Donc juste qu'on est là, nous patients, nous attendons, nous espérons et un jour nous être fou. Nous n'avons pas avancé très bien, nous sommes censés recevoir un pile procès verbal de tout département. Et nous-mêmes, nous avons continué le travail pour que nous respections le calendrier électoral. Nous avons fait tout effort pour nous respecter. Le pourcentage là, c'est pas capable de dire le pourcentage là, combien lié, même qu'on est nous recevoir un pile procès verbal qui vient de tout département. Nous-mêmes, là, nous faisons traitement, nous ne faisons pas un traitement par département. Nous traitons tout procès verbal en même temps. Donc, son processus est continu. Le deadline, nous, c'est le calendrier électoral là qui est fixé. Nous-mêmes, nous avons dit là, nous avons fait tout effort nous, pour nous respecter le calendrier électoral. Et pour le moment, nous, grâce à Dieu, nous n'avons pas de difficultés. Nous avons toute l'équipe nous, qui est fonctionnelle. Nous avons matériel, nous, etc. Nous avons fonctionné normalement, grâce à Dieu. Nous savons les méthodes de calcul là, c'est juste un calcul de pourcentage. Que nous-mêmes nous basons sur le décret électoral. Là. Parce que le décret électoral, là, il a parlé de comment un candidat capable de passer dans le premier tour, il dit que c'est 50% plus des votes valides. Donc nous-mêmes, c'est votes valides que nous-mêmes nous considérons. Et il faut nous préciser tout que dans cette tabulation, nous n'avons pas de bulletin, nous n'avons pas fait de dépouillement. C'est un procès verbal qui vient de nous. Et ce procès verbal, là justement, c'est votre valide. Pour chaque candidat, il fait somme. Total de votes et vous mettez le sous bulletin. Donc nous-mêmes, là, pour nous faire pourcentage, il n'y a l'autre moyen pour faire que c'est pour votre candidat par somme de votes que tout l'autre fait. Somme de votes valides. Donc nous-mêmes, nous toujours attachés nous à décret électoral là parce que nous sommes redevables. Okay? J'aime dire le matin à notre confrère, nous, décret électoral là capable de servir un fret pour moi ou bien couverture. Parce que moi-même, si je fais une erreur, je suis capable de servir avec le juge. En même temps, tout, je préfère moi-même que son couverture pour moi. Au lieu que son frère. Différentes étapes, c'est d'abord la réception physique de procès verbal là. Nous voulons et procès verbal là arrivé chez nous. D'ailleurs, procès verbal là arrivé chez nous, c'est transporté par la ministre, accompagné des fois de la PNH et toujours de représentants du BED. Le procès verbal est venu, nous gagnons un chef archiviste nous, qui fait réception procès verbal ça. Okay? Après réception procès verbal là, nous avons une étape de tri
que nous gagnons, parce que des fois, vous savez, bah, on arrive et la mise en sachet n'est pas conforme, donc il n'est pas directement traitable. Nous sommes obligés des fois, par exemple, retourner, si vous savez, bah, la tête à l'envers, dans le sachet, retourner. Si des fois, vous devez mettre une étiquette sous votre sous plastique, là, obligé de gratter pour retirer. Donc, nous faisons toute une série de, comme on est capable de dire ça, de petits travail pour rendre le procès-verbal là lisible pour que nous soyons capables de venir dans l'aire de tabulation et commencer à traiter. Lorsque nous faisons la réception physique, là, nous faisons une numérisation de tout le procès-verbal. Ça est différent par rapport à ce que nous faisons le 9 août. Le 9 août, nous faisons l'inventaire, nous faisons contrôle visuel. C'est à la fin du processus de tabulation que nous numérisons. Nous numérisons tout le procès-verbal dès que nous rentrons. Une fois qu'on finit numérisé, le processus a continué. Même genre le 9 août, nous faisons deux contrôles visuels de procès verbal là, un contrôle légal, nous faisons deux saisies aveugles de nous-mêmes procès verbal, de sorte que données qui sont saisies eux-mêmes à données qui sont saisies en deux. Si vous pas même procès verbal là, retournez à la saisie 1. Okay? Après ça, nous faisons contrôle de qualité sur données qui étaient saisies. Et c'est à la fin de nos archives. Nous avons commencé l'ambulation lundi à 5h du matin. Et je pensais que nous n'avons pas avancé à grands pas.